Un bon final, non? C'était pas mal. Donc, comment ça a marché aujourd'hui? Ouais, une très bonne partie aujourd'hui. Contente de moi, j'ai fini par un très bon bogey au 17 avec une balle à l'eau où j'ai rentré 5 mètres pour bogey. Donc contente et un très bon birdie pour finir. Donc très bonne semaine, vraiment contente de mon jeu, ouais. S'il faudrait raconter la semaine ou faire un résumé de la semaine, quelles sont les meilleures choses qui ont passé cette semaine ici? Disons que ça a été une semaine plutôt très bien au niveau. Le score aurait pu être meilleur, c'est sûr, mais c'était très bien parce qu'au niveau du jeu, mon jeu était en place. J'ai eu un putting solide toute la semaine, ce qui est plutôt bien parce que je galère depuis quelques semaines avec mon putting, donc je vais continuer de travailler et puis ça ira, quoi. Bon, apparemment, tu es dans les Jeux Olympiques. Après aujourd'hui, c'est la classification finale aujourd'hui. Mais alors, tu peux me raconter un petit Ouais, alors ouais, je suis très contente de défendre les couleurs françaises aux Jeux Olympiques à Tokyo. C'était un objectif de saison, donc c'est un objectif de saison, c'est un rêve de gamin comme tout. Quand le sport, le golf est rentré aux JO, ça a été un objectif directement, donc très contente de moi. Après, bah, on va essayer d'aller chercher une médaille. J'ai parlé avec les joueurs de cette semaine, ils ne comprennent pas pourquoi les hommes ils vont pas aller aux Jeux Olympiques. Mais les femmes, s'il faut qu'ils vous aillent en bateau, vous allez en bateau. Non? Ben moi, ouais, moi, c'est vrai que je comprends pas pourquoi les garçons, après, chacun a son choix. Mais bon, de refuser, disons, une sélection olympique, ça arrive pas souvent dans une vie, dans une carrière. Même si, bon, c'est sûr que les JO vont avoir un lieu, ça va pas être comme d'habitude, ben, à cause du Covid. Mais bon, ça, on pourra dire on est olympienne. Bon, et tes plans pour le reste de la saison maintenant? Je vais tout jouer. Alors là, je repars sur Dallas demain. Après, j'enchaîne sur Toledo. Après, j'enchaîne sur un tournoi en double. Après, Evian. Donc là, je vais pour l'instant, on enchaîne toutes les semaines. Okay. Et la Solheim, c'est un objectif pour toi aussi ou non? Comment? Solheim Cup. J'aimerais bien. Après, j'ai encore du boulot à faire. Donc, il y a toujours une possibilité. Il faudra que je fasse mes preuves au niveau de la capitaine Catherine Amatou. On verra. Mais bon, après, chaque chose en son temps. Ok, merci, parfait. Merci.